le son qui me touche le plus au monde, c'est le son de la flûte de pan roumaine. Mais pourquoi roumaine? Parce que oui, c'est vrai, des flûtes de pan, il en existe partout dans le monde. Eh bien, roumaine, parce que celle-ci a vraiment quelque chose de particulier. Oui, elle est unique, car les Roumains l'ont fait évoluer jusqu'à en faire un instrument de facture très minutieuse pour qu'elle puisse s'adapter à la technique et à l'expressivité du folklore de leur terre. Urmează Solène Jetenet din Paris. Thank you.
musique folklorique, le compositeur Béla Bartók en était passionné, particulièrement par celle de Roumanie. Pour les moins connaisseurs, Bartók fait partie des grands compositeurs comme Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, par exemple. Bartók disait que chacune de ses mélodies témoignait d'une perfection artistique absolue. Il tenait à ce que cette musique soit élevée, reconnue au même titre que la musique classique. Ainsi, presque toute sa vie, il a voyagé à la rencontre des peuples et de leur musique traditionnelle. Il a enregistré ses musiques avec un phonographe, il les a notées, il les a étudiées, et avec ce matériau d'un côté et de l'autre ses propres techniques de composition, il a écrit une grande partie de son œuvre. Siècle, en jouant le répertoire pour hautbois, pour violon, pour chant ou pour flûte traversière, du baroque à nos jours. Thank you.
La flûte de Pan roumaine est donc enseignée avec le même sérieux que n'importe quel autre instrument dans les conservatoires de Roumanie et de Moldavie, mais aussi dans plein de conservatoires dans le monde. Par exemple, dans certains conservatoires en Chine, ou aux Pays-Bas, ou en Autriche, ou en Suisse par exemple. En plus de la musique folklorique roumaine, on y enseigne bien sûr énormément la technique et le répertoire classique dans de nombreux concertos et des pièces de bravoure. Je vous ai parlé de musique folklorique roumaine et de musique classique. Mais avez-vous déjà reconnu la sonorité de la flûte de Pan roumaine dans des films? Oui, tout à fait, elle y est présente parfois. Thank you.
J'ai encore plein de choses à vous raconter sur cet instrument, sur le détail de sa facture, sur les différentes tailles de flûte de pan, sur les ensembles musicaux composés uniquement avec cet instrument, sur la manière ludique de l'accorder avec de la cire d'abeille, et puis aussi sur son répertoire qui s'étend également au jazz ou à plein d'autres musiques traditionnelles que la musique traditionnelle roumaine. Alors, peut-être que je reviendrai bientôt pour vous raconter tout ça. En attendant, je vous propose un petit jeu concours. Si vous reconnaissez l'oiseau que je vais m'amuser à imiter, laissez s'il vous plaît la réponse en commentaire. Je tirerai au sort un gagnant parmi les bonnes réponses et je lui offrirai un cours de flûte de pan roumaine.